Allez, c'est bon les gars, on reprend un petit peu les bonnes habitudes. Après un petit jour de vacances et un peu ceux qui sont revenus à peine ce week-end. Donc je rappelle un petit peu les bases. On reprend tout avec le plus grand des sérieux, d'application, que ce soit sur l'entraînement ou sur tout ce qui va nous amener vers le match de Béziers. D'accord ? Donc, je vous le disais tout à l'heure, les sélections, je ne sais pas si entre temps vous allez avoir des sélections. Mais en gros, le programme des semaines, il se décortique avec le mardi, des chiffres, voire physique intégrée et des ateliers de technique. D'accord ? Le mercredi, on passera un petit peu plus sur de l'opposition et toujours sur notre travail au poste, sur les disponibilités des intervenants. Et le vendredi, c'est que du physique. D'accord ? Avec les stages tous ensemble. Hein. Des stages de prépa. Concentration, application surtout. Ok. Et en même temps, on rajoute le dernier point qui est quand même un petit peu néfaste dans notre groupe. C'est la communication, l'entraide. D'accord. Dans la communication, que ce soit pour le système de jeu, mais en même temps l'entraide. Parce que je pense que ça va être ce qu'on aura le plus besoin pour faire cette grande finale contre Béziers. Ok. On commence à se remémorer tout ça. Donc mettez-vous bien en tête tout ça. Il y a un truc, Jules, salut. Il y a un truc qui va être important aussi, au-delà de vos études, c'est que le samedi matin, il y a certains samedis jusqu'au match où on va rajouter un petit entraînement, au moins pour les trois quarts dans un premier temps, à base de vidéos et de mise en place. Le maître mot, en plus de la communication, comme disait Lolo sur le point faible, c'est le sérieux, l'application, le travail, dès que l'entraînement commence. Après, quand c'est fini, on peut faire autre chose. Mais là, jusque à Béziers, il faut qu'on mette beaucoup d'applications, de concentration dans ce qu'on fait, de la réflexion, ensemble, en commun. S'il y en a un qui ne fait pas bien, on peut discuter, on peut échanger, on vient discuter avec nous s'il faut, sur quelque chose de concret et d'important. Mais ça doit être le maître mot. Et si on s'entraîne comme ça, avec ce sérieux-là et cette communication-là, on se donne le droit et les chances de bien s'appliquer sur le match important de Béziers qui est encore loin, mais qui va vite arriver. Donc c'est vraiment le maître mot, là. C'est la dernière ligne droite. On n'a que deux ou trois matchs qu'on va jouer comme des phases finales pour éventuellement prétendre aux phases finales. Allez, on part ici sur les lignes des 50. Ligne des 50. Il passe. On se met un sur deux. Il les autres, la moitié du groupe des chiffres. On va se croiser à chaque fois. On va faire le même exercice en se croisant. On va démarrer sans ballon, donc on va faire un sur deux. Donc à mon avis, Rémi, Alexandre, Thibault, vous êtes trop serrés parce que Arnaud et Enzo ne pourront pas vous croiser. Donc espacez-vous. On fait des moitiés d'un côté, moitié de l'autre, on se croise. Et après, je rajouterai des ballons, je rajouterai des exercices. On va démarrer en footing, tranquille. Je vais sur la ligne, je repars au fur et à mesure. Je me croise. Ok, ça part simplement. C'est parti. Et un de chaque côté, de chaque ligne. Un là et trois, voilà, regarde là. Wow. Et ça repart encore, allez. Jus. Ouais, Mathieu. Attention, les ballons tombés, ça commence. Tu vas ramener des disques de 10 et de 15. Un disque de 10 et de 15. Des disques de
biscuit, un de 10 et un de 15. Un beau jus et des haltères de 3. Allez, allez, on se croise. Ensemble. Ah, je vais te voir des